Excusez-moi, bonjour à tous, bonjour à toutes et un putain d'épi pour changer. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur le petit stream du dimanche. La première partie, les amis, du tryhard doit commencer. Aujourd'hui, les amis, deux choses. Initialement, trois. Mais on parlera pas des bandes annonces qui en fait sortent cette nuit et pas la nuit dernière. Ça, c'est un petit fail, mais ne vous inquiétez pas. Je les regarderai quand même, ces fameuses bandes annonces. Du coup, deux choses. Première chose, Pokémon Écarlate pendant 1 heure. Mes amis, nous devons aujourd'hui faire le plus de victoires possible avec notre équipe que je vous présenterai bien évidemment juste après. Ensuite, Lego Odyssey Super Vilain. Objectif aujourd'hui, finir le jeu. Possibilité de succès 20%. Faut être objectif. Par contre, on le finira la semaine prochaine à 100%. Par contre, ça c'est sûr, d'accord? On s'arrangera, je sais pas comment. Semaine prochaine, ce jeu est terminé. Du coup, sans plus attendre, parce qu'on est déjà un tout petit peu en retard, les amis. Pas la bonne fenêtre. Ok. Les amis, Pokémon Écarlate. Je l'ai pas fait en stream. Je vous avais promis un truc vidéo, mais ça a mal enregistré. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de succession d'événements qui ont fait que ça n'a pas été enregistré. Et donc, du coup, voici, vite fait, voilà, mon personnage qui s'appelle Loki. Le jeu est terminé, hein, on a capturé tout ce qu'il fallait, les légendaires ont été vaincus. Je crois que tout a été fait. Je crois. Je crois. Je crois, oui, tout a été fait, je crois. Il manque juste le Pokédex que j'ai dit que je ferais, que j'ai pas trop avancé. J'ai aucun retour particulier. Attends, je vais mettre le projecteur de sortie. J'ai aucun trop grand retour à faire sur Pokémon Écarlate et Violet. J'ai beaucoup aimé la Team Star, comparé à ce que je pensais au début. J'ai été surpris qu'on parle très rapidement de la mort, tout ça. Et voilà, bon, pas trop de choses à vous montrer en vrai. C'est très basique. La boîte PC bug un peu par contre, ça j'ai bien remarqué. Merci Pokémon. Mais du coup, voilà, donc il n'y a pas énormément de choses. Voilà, les champions d'arène, pas trop mal. En réutiliser un pour être membre du Conseil 4, c'est vraiment bof. Les salles du Conseil 4 sont bof. Mais on oubliera par contre la Team Star de Champion de Feu, qui est un personnage extraordinaire. Voilà. Du coup, les amis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va faire des ranked. Parce qu'il y a des ranked dans Pokémon Écarlate. Ça vous plaît? Et voici notre équipe. Alors vous allez me dire, pourquoi il y en a 6? Il n'y en a que 3 qui comptent. D'accord? Et les 3, les amis, on va vous les présenter. Pyrax, Shiny! Les amis, Pokémon de la 5e génération, bien évidemment. Qui est plus ou moins strat. On parlera pas de ces types de terra cristallisation que j'ai pas trop fait. Je sais même plus ce qu'il faut mettre. Capturé dans une Lux Ball, très important. Alors, papier aux dents, sens du feu, giga sensu, feu follet, IV, EV, tout a été fait. Et les talents ont été changés. Donc ça, c'est le Pokémon... le premier. Le deuxième, c'est Ramp L, également Shiny. Ah, j'ai tryhard pour vous, là. Lux Ball, bien évidemment, niveau 100. Et on joue avec bandeau choix. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'objet de Pyrax, c'est les grosses bottes. Mais voilà, donc pour Ramp L, on est plutôt sur du bandeau choix. Voilà, escarmouche, demi-tour, séisme, close combat. Voilà. EV, IV, ça a été fait bien évidemment aussi. Voilà, j'ai oublié de vous préciser pour Pyrax, normalement, selon les sites internet, fallait lui mettre Aurore ou quelque chose comme ça. C'était une attaque qui devait le healer normalement. Seulement, c'était Pyronie qui était censé la prendre et je ne le savais pas avant de le faire évoluer. Et par. Bon, on va être franc, hein, par pure flemme, grosse flemme là de retryhard d'un Pyronie Shiny, il a donc appris Feu Follet. Voilà. Et troisième Pokémon, échangé par Gin Tonic, hein, que vous commencez à connaître, bien évidemment. Évidemment, Mine de Fer, également Shiny. Voilà, niveau 100. Hein. Énergie Booster, donc attention à ne pas utiliser dans des combats sauvages, sinon on perd l'objet. Et donc voilà, il se joue comme ça. Danse du Feu, Hâte, Écosphère, Cradovague, IV, EV, ça a été également fait. Voilà. Et donc du coup, ce que je voulais faire normalement en janvier, c'est que je vais faire des ranked normalement avec les trois. Seulement, les ranked n'étaient pas autorisés pour les paradoxes, ce qui est le cas sur cette saison-là. Donc voilà pourquoi ça a été échangé en février. Les trois autres, ils sont là pour faire du brain, pour brain les autres un peu. En mode, qu'est-ce qu'il va choisir? Alors qu'on choisira toujours ces trois-là. Et donc on part en 1v1 du coup.
Je sais plus comment on se connecte à Internet, hop, comme ça. Je sais pas comment on accède au Ranked non plus, je me suis pas trop renseigné. On y va un peu à la va-vite, mais vous inquiétez pas, c'est... C'est normal. Alors, voyons voir. Ça me semble bien, le Poképortail, en vrai. Combat en réseau... Ça doit être stade de combat, je pense, hein. Alors les amis, l'objectif pour le Panthéon, c'est de faire le plus de wins possible. Voilà. Dans le Panthéon, il y aura toutes les wins. Comme il n'y a que enfin, comme il n'y a que deux sessions, on montrera toutes les wins dans le Panthéon. Bah ouais les amis! Alors, attendez. Ah, la musique de Terra Crystal, hein? J'espère que ça va vous plaire. Alors, en premier, j'aime bien mettre Mythe de Fer. En vrai, je me sens plus serein. Il va me défoncer, je pense, hein, mais... Tout dresseur Pokémon qui se respecte a une casquette victime. Tu sais pas quel objet j'ai, tu sais pas lesquels je prends. Bon là le but c'est de gagner, vous avez compris, hein. On va gagner, je crois à mon équipe. Ah. Pourquoi il est dans le sol? Monsieur, vous êtes dans le sol. Vous avez commencé... Ah non, c'est bon. Ok. On y croit? Ensemble, les amis? Ok, moi je propose... Je propose, on commence par une hâte, on tente d'améliorer la speed et on attaque. Hein. J'y crois fort, là. On dira pas que Karchakrok peut être notre premier problème, quoi. Okay, de base, je suis déjà plus rapide que lui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va me mettre KO d'un coup? En vrai, j'y crois. Là, je suis plus rapide. Ça, c'est bon, déjà, c'est sûr. Ok. Tunnel. Est-ce que c'est un KO, tunnel? Bah, dites-vous qu'on va peut-être essuyer beaucoup de défaites. Hein, donc... Ça se trouve, il n'y aura peut-être aucune victoire en deux sessions, mais... Le truc, c'est qu'en fait, on a deux Pokémon qui ont... Enfin... En fait, j'ai envie de croire à un monde où Escarmouche fait des dégâts, mais même séisme, donc ça va être normal. Là, on a un bandeau choix. Donc, si on lance une attaque, on peut plus changer après. On flex avec 3 Pyrax Shiny, mais. J'ai un doute là. Pire que lorsque le lanceur entre en combat, bah, go la faire maintenant en vrai. On fait une Terra Insecte, et on tente l'Escarmouche. Hein. Je pense que je suis plus rapide, mais on va voir. Hein. C'est mon Pyrax! C'est bien! Mais voilà, là on parle un peu. Bon. Parce que bon, Pyrax, on ouvre sa bouche sur des Pokémon d'insectes dégueulasses, mais. Bon, après, il est un peu dégueulasse, objectivement, mais. Dracolos! Mais Dracolos me pétait la gueule actuellement, ça me met pas bien du tout ça. On est plus rapide, on tente. En fait, quoi que je fasse, ça c'est foutu, donc on va tenter le plus puissant. Hein. En vrai, tentons demi-tour, on se casse. Merde, c'est vrai qu'on est obligé de switch, mais si on switch, on est mort. On switch pas, on le sacrifie. Désolé, c'est un sacrifice, Rampel. On évitera d'en faire le plus possible, mais. Ok, bah, de toute façon je vais échouer, hein, donc on s'en fout. On voit ce qu'il va faire. Donc, pas de soucis. Divine
le type normal. Putain, si j'avais pas le banc de choix. N'empêche, il est lent un peu ton Dracolos, frérot, parce que... Là, mon... Elle, après, j'étais peut-être speed en vitesse aussi. Je sais plus ce que c'est que j'ai maxé à fond. Ok, on va caler un truc. Prise de risque maximale. De toute façon, c'est ça où on perd, objectivement parlant. Les amis, je vous annonce une papillonnance. Ok. Si je la place, si je place la première et que je survis après... Ah mais t'as un banc de choix, frérot. Enfin, t'as un truc à choix aussi, non? Ou tu choisis volontairement des attaques de merde? Il m'a fait... En gros, là, faut que... Enfin, en vrai, faut que je démonte là, maintenant. Là, ça va partir sur une danse du feu direct de mon côté. Hein. Attaque spéciale, ok. Là, si je tank celle-là, il est mort. Non, bah non, vitesse extrême, je suis mort. Je suis mort avec les vitesses extrêmes, bah, attaque à priorité. Ok, ok, bon. Ça permet de prendre la température des ranked un peu. Et en effet, s'il y a des gens qui sont aussi chauds dès le début, c'est qu'on est foutu, quoi. Je pense que Pyrax, à la fin, c'est une bonne idée. Pour la simple, unique et bonne raison que c'est le plus puissant de la team. Mais, GG pour la victoire. T'inquiète pas, je t'ai laissé gagner, frérot. On va pas te faire des idées. Après, si on fait aucune win, ça, c'est la merde, quoi. Autant vous dire que c'est la merde si on ne win pas une seule fois. Mais on va win, hein. On va... On en fera d'autres, des mois sur Pokémon. Hein. Team Star, ça me va. On en fera d'autres, des mois sur Pokémon, ne vous inquiétez pas. Ce sera les mêmes genres de ranked ou pas, je ne sais pas trop. Est-ce que... On verra aussi si ça vous plaît ou pas, tout ça. N'hésitez pas à me... Ah ouais, donc lui, il est full paradoxe. C'est un choix. En fait, le truc, c'est que Pyrax, il me le faut en dernier. Après, j'ai demi-tour avec lui. Hein. Non, mais j'ai hâte avec Mythe de Fer, ça me permet de prendre la température, en vrai. En fait, nous, c'est surtout l'ordre des trois Pokémon qui va beaucoup changer, du coup. Normalement, le reste... Normalement, le reste, on est censé plus ou moins l'encaisser, quoi. Ok, les amis. On est sérieux, là. On ne rigole plus. Bonjour, madame. Ah ouais, ça flex parce que vous avez des shiny, bah moi aussi. Bah ouais. Bah ouais, madame. On a tous des shiny, ici. Pas la meilleure musique que je vous ai mise avec un peu de recul. Ok. Est-ce qu'on tenterait pas une première hâte pour quand même prendre un petit coup de vitesse quand même? D'accord, très mauvaise idée, j'ai compris. Ok, 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 j'ai compris. Mauvais plan, mauvais plan. Le truc c'est que... En fait j'ai envie de sortir notre Pyrax et claquer un papillon dans pour nous péter la gueule. Donc en vrai, la meilleure option je pense, c'est vraiment... Ramp L, close combat et switch quoi. Après le switch ça va risquer la vie de notre ami. J'espère que je suis plus rapide. Normalement ouais. Après est-ce que je prends la Terra Insecte? Non c'est un mauvais plan. Mauvais plan la Terra Insecte, croyez-moi. Okay, normalement je la tank. Coup critique. Ça va la chance frérot? On gêne pas trop? Après, est-ce que j'ai lu? Est-ce que j'ai lu uniquement? J'ai pas forcément lu tout le reste. Mais est-ce que j'ai lu? Cas d'oiseau paradoxe est super pété hein, en ranked. Après, bien sûr, j'ai pas du tout lu tout ce qu'il y avait à lire sur cas d'oiseau paradoxe, mais j'ai lu des petites dingueries. Quoi. Ok. Ok, lui aussi il veut flex avec ses chains. Ok, ok, ok. C'est un choix. Je vais rebalancer close combat, mine de rien, en fait. Je vais être plus rapide. Pas du tout. Merde. Ok, bon, j'ai compris, il y a des strats aussi en ranked. Ok, 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 c'est votre choix, c'est votre choix. Est-ce qu'on a la moindre chance? Techniquement, j'en sais rien, mais on va claquer papillodance et on va espérer. Hein. On est ensemble, les amis. Hein. 3 Lexbog, 3 Pyrax, 3 temporalités. Le dresseur intemporel, les amis, c'est moi.
Ok. On y croit, on y croit. Et boum, je type plante. Pourquoi? J'en sais rien, d'accord. Nous, on n'est pas la question. J'avais quoi? J'avais les grosses bottes, on s'en fout. Ok. Ok. On y croit, d'accord. Tous ensemble, les amis, il est de type combat psy ou combat fée. Giga Sensu devrait pouvoir passer, faire quelques dégâts. Et on devrait être plus rapide, normalement, les amis. Et taper fort, aussi. Taper fort, j'ai dit. T'inquiète, Pirax, tu fais du bon boulot. Faut juste qu'on se forge un peu et qu'on essaye de... Encore. Bah ouais, go hein. Go encore. Je suis plus rapide et je vais me soigner et t'es mort. GG en face. Ok, là ça va jouer sur le dernier Pokémon, quoi. T'as cru que j'allais en faire deux, papillodance, mon pote? T'as vraiment cru que j'allais en faire deux? Tu me connais, moi? Deux papillodances? Qui est le dernier Pokémon? Merde, je connais pas ton type. Ah! Pas très efficace, pas très efficace. Et je peux utiliser que Giga Sensu. Bah, je suis mort, il me fait un truc de type vol. Hein. Je pense que je suis mort, objectivement parlant, les amis. À part s'il fait lame d'air, parce que lame d'air, c'est une précision un peu à chier. Après, ma défense SP est augmentée. Hein? Quoi? Okay, ta vitesse augmente. Ok, ça marche. Je peux papier aux dents ou pas? Putain, mais il me fait chèque, soit encore. Je suis plus rapide ou pas? Est-ce que je suis plus rapide? Merde, il est déjà plus rapide. Ok, il va nous faire une seule truc vol, ça va être finito pipo. Hein. Je vous le dis. Après, il y a moyen qu'on l'emporte s'il grille tout et nous donne bien ce braco. Hein. Parce qu'imaginez, il fait lame d'air, effectivement, et lame d'air se rate. Premier degré, ça peut arriver qu'il... Ok, je suis plus obligé. Et la danse du feu, elle se grid. Hein. Elle se grid parce que ça augmente mon attaque SP, en fait. Et que si lui, il se rate... Frérot, tu te rates. Tu te rates, tu es mort. Allez, rate-toi, tête de fer, non. Bien joué. Eh, les deux fois, on a failli l'emporter, mine de rien. Bon, après, c'est parce que c'est... Je veux bien comprendre que c'est parce que c'est des low niveaux, quoi. Mais, sur les deux combats, on a quand même failli les emporter. Après, de base, je suis pas très bon déjà de base en strat, alors s'il vous plaît, laissez-moi une chance, quoi. Ok. Peut-être que ça se trouve, c'est peut-être l'ordre qui va pas, ou... Il y a peut-être plusieurs choses à définir encore que j'ai pas encore très bien défini. Faut... Bien sûr qu'on continue à se battre. Bon, on est encore pour 40 minutes de combat, bon. Rang 1. Débutant. Nombre de combats 2, défaite 2. Yes! On en est fiers ici. Pas du tout, c'est faux. Contre Béa. Bah, Béa va me sortir cas d'oiseau, je vais être en PLS. Hein. À partir de là, tout va bien aller quoi. Je pense qu'on va sortir Pyrax en premier parce qu'elle va sortir cas d'oiseau et elle va essayer de me faire hydrocanon. Voilà ma théorie. Après, Karchakrok peut être un gros problème également. Je dis ça en mode... ouais, grand connaisseur de la stratégie Pokémon. Je sais qu'elle va me sortir ce Pokémon en premier. Alors qu'en fait, à tout moment, elle me sort Arcanin ou Niascarade, quoi. Allez Béa, il s'agirait de choisir ses Pokémon. Allez, on a nos chances. On a nos chances, les amis.
Bonjour madame de l'école Violette. Le grand stratège Pokémon, les amis, c'est Bibi. Toujours un plaisir de voir qu'ils ont pas amélioré la qualité du jeu, n'empêche. Hein. On va claquer une première papillonnance déjà. Eh oui, moi j'ai l'antique à d'oiseau. Bah oui, bah on me cherche, on me trouve, hein. Tu vas me faire hydrocanon toi aussi? Bah vas-y, viens avec ton hydrocanon, frérot. Oh, hydrocanon. Oh, j'ai évité en plus. Allez, cas d'oiseau, casse-toi. Casse-toi, sale merde. Bien sûr, c'est ton second degré, je précise, c'est important. Ok. Moi, je regride, hein, très clairement. Laser glace. Ah, le salaud. Ok. Là, je vous explique, si on n'est pas plus rapide qu'un oiseau, c'est la merde. Donc on va croiser les doigts. On va faire giga sensu. Le grand Pyrax, les amis! Le grand Pyrax! Grand Pyrax giga sensu, les amis. Applaudissez-le, merci. Je m'en occupe pour vous, ne vous inquiétez pas. C'est bien, Pyrax, t'es grand, t'es beau. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, ça va partir sur Danse du Feu, je pense, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'es un grand, Pyrax. Faut les motiver, les Pokémon, un peu, comme ça. Pyrax, c'est un grand. J'ai des bottes, j'ai des grandes bottes. On s'en fout, parce que j'ai pas switché. Mais j'ai des grandes bottes quand même! T'es mort, frérot! Danse du feu! Mon pote! Peut-être la première win, les amis! À part si son dernier Pokémon nous 1v3, mais. J'ai envie de croire en une potentielle win là. Kuba, ça me fait mal, mais ok. Je l'accepte. Je tente Danse du Feu. Je fais papillon danse. Je suis un putain d'animal. Ah non, bah non, j'ai fait Danse du Feu du coup, parce que j'ai spam. Ok. J'accepte ton Kuba en vrai. Parce que je le comprends. Par contre, t'es mort. Mais ok. Non, là, normalement, si mon Pokémon est bon et le Pokémon en face est mort. Petit shiny, hein, toujours. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Rampe L, si tu encaisses le coup. Première win! Première win! Bah écoutez, c'est... Attendez, on m'appelle pour une interview. Oui, j'ai pas de téléphone. Oui, mon... Putain, mais il me faut le bigophone pour tout le monde réunion. Là. Oui, allô? Oui, une interview? Donc, comment je me sens après cette première victoire? Bah, disons que c'est ma première victoire en une demi-heure. Je me sens un peu à chier. Mais mon ego va très bien. Non, mon ego personnel, non, je le prends bien. Me faire rouler dessus par tout le monde, bah c'est le fun, on est avec une équipe de Pyrax Shiny. Non, vous allez suivre mes histoires, mes aventures pour une interview dans la dépêche. Oh, vous inquiétez pas, à ce point-là quand même. Oui, on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr. Excusez-moi, c'était la dépêche, vous savez qu'on dit pas non au président du... Enfin, bref. J'ai pas su pousser la blague plus que ça, me demandez pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut perdre des points après, du coup? Qu'est-ce qu'on a comme musique? La musique de Cassiopée.
Ok les amis, qu'est-ce qu'on a en face? Oh, un tronchonon. Ça va me faire mal le tronchonon, il va falloir qu'on tape. Hein. Fer, acier, dragon, plante. Alors je sais plus si c'est plante ou plante spectre, je crois que c'est électrique. Ok, il va nous poser problème en face. Hein. Il va nous poser problème au point que je pense que mythe de fer sera la bonne solution en premier. Hein. Ah là là. Monsieur, faut que vous validiez vos choix après. Ah, la coupe de cheveux. Après, moi j'ai des coupes de cheveux éclatées aussi. Ça va le shiny, tout le monde en a ou... Enfin, tout le monde veut flex avec, les gars. Putain, les mecs, ils... ça flex avec leur shiny là. Mais ok, ok. Les gens veulent flex. Alors, je pense qu'on va booster d'abord la rapidité déjà. En vrai. On est chanceux ou on n'est pas chanceux? Merci. Ok. Déjà, ça s'est boosté. Maintenant, on va y aller par danse du feu. Et on va du coup booster notre... grosse botte. Les grosses bottes, j'ignore tes clés que tu jettes partout, frérot. Oh, je suis paralysé, bordel. Donc du coup, on n'est pas chanceux. Voici la réponse à notre question. Qu'est-ce que tu as d'autre, Trousselin? Trousselin est sous-coté comme Pokémon. Hein. En fait, à la base, j'ai critiqué le Pokémon en mode, mais putain, c'est un porte-clé. Bah, mais en fait, le porte-clé, il est mignon, quoi. Ah, un des plus beaux Pokémon, là, en Shiny. Ça, c'est pour m'émouvoir, ça, je reconnais ça. Ça, c'est pour toucher directement mon cœur qu'il l'a mis, là. Tu vois, vous vous rendez compte? Que je vais devoir regarder un tronchonon et lui dire, ta vie se termine. Comme ça. Le pauvre petit tronchodon. Je vais devoir le regarder, lui dire ta vie est finie. Vous vous rendez compte de ce malheur que j'ai? Alors du coup le problème c'est qu'il faut le faire tomber avant qu'il nous fasse séisme. On va clairement arriver et prendre l'effet de Pico avec rampe L. Malheureusement. Malheureusement les amis, il faut faire ça. Et on va espérer qu'on est plus rapide que tronchodon. Ce qui à 90% ne doit pas être le cas. Mais on s'en fout parce qu'on est là pour le fun, les amis. Et le fun, c'est quoi? C'est la win. La win. La win. La victoire avec un W, monsieur. Salaud. Bah ouais, la terra cristallisation. Bah ouais, non mais bah oui, bah ouais, bah ouais, bah oui. Bah oui, salaud. C'est bien, Rampel! T'es un bon... Non, Rampel est excellent. J'aimerais beaucoup qu'on la gagne juste pour mettre 300 dos dans le Panthéon, en fait. Mais bon, on verra si on la gagne, quoi. Ok, donc le trousse, le fameux Trousselin. Donc Trousselin on va le laisser me tuer. Je vais juste en fait le seul truc que je pourrais faire c'est switch sur Pyrax. Mais j'ai peur qu'il fasse un truc genre cage éclair, vous voyez. Donc on va rester sur Escarmouche pour l'instant. Parce qu'à ce moment ça va rien faire, voilà, donc on s'en fout. Qu'est-ce que t'as en réserve? Ouais, cage éclair. En fait j'avais pas envie que Pyrax arrive paralysé dans le combat, quoi, vous voyez. Je vais d'abord avoir une marche, quoi. Mais pas de soucis, on va le laisser me tuer. En plus, il va dévoiler son dernier Pokémon, en plus, je pense. Je pense qu'il va switcher, en théorie. Je sais, il a le temps de placer son Pokémon. Ah, mais il a le temps de placer son Pokémon, c'est pas bon pour moi, ça.
Ça c'est le genre de strat, parce qu'en plus il switch, donc lui il s'y connaît. T'as l'air qu'il switch, s'y connaît forcément un peu plus je pense. Ok, bah t'es mort frérot. Bah non mais t'es mort. Vas-y, bute-le moi le Pokémon hein. Mais t'es mort. Là vas-y hein, mets-le moi KO d'un coup hein. Je le mérite. J'arrive. Même pas foutu de me tuer quoi, frérot. Fais un effort. Les amis, ça va s'orchestrer à ça. À ça les amis. Parce que je vais vous dire, c'est un truc très très simple qui va arriver. Il a l'orbe vie. Je vais lui poser Pyrax. Déjà avec les grosses bottes, je ne prends pas les picots. On est ensemble, mais si je joue bien, je peux la win en fait. Ok, il l'a retiré, Il va tenter de me le paralyser aussi en vrai. Alors maintenant, petite question. Est-ce que le Trousselin peut apprendre le talent farceur? Le talent farceur permet aux attaques qui ne font pas de dégâts d'être prioritaires. Donc s'il a farceur, il me fera forcément cage éclair en priorité. Seulement je crois que mon Pyrax, enfin mon Ramp L a fait escarmouche en prio. Donc je ne pense pas qu'il est farceur. Mais on verra. Ok, bah t'as bien compris que tu commençais à être vite fait dans la merde quand même. Hein. T'as compris que là vite fait ça pue un peu la merde quand même là. Ok, passe. J'ai les grosses bottes frérot. Hein. C'est quoi ton objet? Une ralentie queue. Ok, tu retiens les grosses bottes, pas de soucis. Là, dans du feu, normalement, c'est censé me boost mon attaque SP, en théorie. Eh, on est bon! Je suis toujours plus rapide ou pas? Ou la ralentie que ça me ralentit trop? Ouais, ça me ralentit trop. Ok, bon, sa merde m'a beaucoup ralenti. Pas de soucis, ça me fait vraiment chier pour le coup, mais ok, pas mal. Là, le truc, c'est qu'en fait, si ton machin ne met pas KO en un seul coup, tu es mort, en fait. Donc, frérot, fais vraiment un effort. J'espère vraiment que ton machin il vaut le coup quoi, il vaut le détour quoi. Ton Pokémon de la 6G là. Allez. On est ensemble les amis. On est ensemble, faut qu'on la win quoi. Ok. Il perd quelques PV encore. Non, bon, je le tue là, non? Si je le tue pas. Deuxième win. Ah, attendez. Oui, allô? Oui? Vous êtes qui, vous? 20 minutes. Vous êtes le journal que j'occupe au métro avant d'aller au boulot. Vous voulez m'interviewer? Avec mon nom, mon prénom. Et je touche des royalties sur ce que vous vendez? Enfin, sur ce que vous donnez? Ouais? Bah moi je le prends tous les matins votre journal hein. Ok. Enfin tous les matins quand il est là quoi. Ouais, ok. Bah avec plaisir carrément. Bah c'est avec plaisir. Ok. Ouais, pas de soucis. Ok, ça marche. On se recapte. Ah parce que moi je suis plus débutant, je suis rang 2 là. Ouais, bah ouais, vous vous doutez bien que le boss un peu quand même. Ok, bah avec plaisir. Ok. Excusez-moi, j'ai tous les journaux de la région qui veulent qu'on se capte. C'est bon, on est en 50% de win rate. Il n'y aura pas eu le temps, mais on y est. Par contre, à tout moment, là, c'est le dernier combat. Je préfère prévenir. Il est déjà 48, à tout moment, c'est le dernier combat. Enfin frérot, si tu crois que j'ai jamais affronté de cas d'oiseau, tu me connais vraiment pas quoi. Tu vas le foutre en premier ton vieux cas d'oiseau de merde frérot. Tu vas faire hydrocanon et tu vas croire que tu vas win avec ça. Je te connais. On a affronté des cas d'oiseau avant toi, fais toujours la même merde. Après en vrai, je dis ça mais...
On a déjà au minimum un Panthéon, quoi. Donc c'est safe. Hein. Ça sera peut-être le Panthéon le plus long. Parce qu'il y aura du coup plusieurs games. Mais je m'occuperai du montage aussi, vous inquiétez pas. Prévisible! Le boss! Appelez-moi le boss de temps en temps, quoi. Là, je vais faire hydrocanon, sauf que moi je suis type plante, donc ton truc il ne sert plus à rien. T'es dans la tellement dans la merde, cas d'oiseau. T'es tellement dans la merde. J'en ai croisé des cas d'oiseau avant toi. Tu crois vraiment qu'ils me font peur, frérot? Tu sais qui je suis? Bah ouais, hydrocanon. Allez, cassez-vous. Bon, frérot, tu t'es pris pour qui? I am the boss! Alors, évidemment, t'as laser glace et tu crois que laser glace va te suffire, mais frérot, j'ai giga sensu! Allez, dégage! Et c'est chaud, cas d'oiseau! Vous êtes trop prévisibles, les joueurs de cas d'oiseau, quoi. Franchement. Vous avez cas d'oiseau, vous voyez 4 Pokémon feu en face, vous vous dites, ah bah je vais le poser en premier. Bah oui, mais frérot, le boss, c'est qui ici, en fait? Bon, je prends un peu la grosse tête quand même, faut qu'on en parle. Là, tu t'es dit, ouais, je vais Terra cristalliser, ça va lui faire une belle jambe. Je joue Pyrax! En plus, tu le terras de type vol en vrai. Hein. Mais t'as une attaque de type vol? T'en as aucune avec, je crois. Enfin, en tout cas, en strat, j'en ai vu aucune de type vol sur Gros Mago. Ah bah, surtout jouer Machination ou quoi. Ça augmente ta speed ou pas, ça? Attaque spé. Ouais, je suis toujours prio, frérot. Bonne journée, Gros Mago! Ok, là pour l'instant on est bon. En fait, Pyrax c'est du full carry en fait. Hein. C'est de belles wins qu'il y a quand même. Il y a aucun objectif. Enfin, j'y pense. Il n'y a pas d'objectif pour le combat, d'accord? Juste le but c'est d'aller le plus haut possible en deux sessions. Ça fait à peu près 2 heures, 2 heures et demie quoi. Le but c'est vraiment d'aller plus haut, mais il n'y a pas d'objectif. Hein. Je tiens à le préciser. Je referais bien une danse du feu en vrai. Là, il est vraiment en mode bourrin, en mode on fait le plus de dégâts. Vraiment, je tank? Bah ouais, clairement. Est-ce que ta défense SP elle baisse? Ah, si je te touche, t'es mort, je pense. Hein. Si je te touche, t'es mort. Hein. 3-0. Pyrax, le boss. Ok, bon, moi, dernier combat. En plus, c'est ça fait un nombre impair. On a plus de victoires que de défaites. Donc, c'est pas mal, un nombre impair pour différencier ça. Bon, il est 52. En vrai, je pourrais techniquement relancer une, mais j'ai pas envie de trop de faire un nombre pair, vous voyez. En vrai, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a fait 5 combats. On a enchaîné 2 défaites d'affilée directement. On s'est pris une petite volée. Et on a enchaîné 3 victoires d'affilée. Donc, GG à tous. Les amis. On fera la suite, bien sûr. On fera la suite samedi prochain. Et du coup, samedi prochain, ce sera la dernière fois qu'on jouera, du coup. Comme j'ai sauté une semaine en février et comme j'ai sauté une semaine en février et qu'il n'y a que 3 semaines, 3 week-ends, ça fait donc que 2 week-ends où on peut jouer, malheureusement, Pokémon Écarlate. Donc du coup, on fera la réact du reportage plus Pokémon Écarlate la semaine prochaine. Et du coup, vous aurez du coup tout ça dans le Panthéon et évidemment, j'espère que ça vous plaira. Mais voilà que le Panthéon du mois de février sera bien évidemment Among Us. Et ça sortira cette semaine. Du coup, les amis, je vais vous mettre un peu de musique. Okay. Et on va partir sur Lego DC Super Vilain, du coup, pour essayer d'avancer le plus possible le jeu. Objectif de le finir, pas sûr que ce soit possible. Mais objectif, c'est le finir.
Donc, les amis, petite pause, 2 minutes en musique, en espérant que ça vous plaise. On se retrouve dans pas longtemps, et à tout de suite, évidemment, les amis. Kept inside so long, I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan.